Écoutez, je peux féliciter Marthe de Blomac, toutes les équipes qui organisent ce salon, parce que nous sommes très heureux de ce partenariat, de cette transversalité autour du thème de l'entrepreneuriat. En un lieu unique et dans un temps assez court, en fait, ça permet aux acteurs de pouvoir se rencontrer, de pouvoir rencontrer tous ceux qui peuvent les aider dans leur processus de création d'entreprise. Et donc, c'est particulièrement efficace. Et vous savez combien à Bordeaux, on est attaché et fier de notre taux de création d'entreprise qui est le premier de France si on exclut la région parisienne. Bah, globalement, on est très heureux de voir que les objectifs qu'on s'était assignés d'une création de 7000 emplois nets par an ont été non seulement atteints mais dépassés sur l'année 2015-2016, de juin à juin. On est à 7900 emplois nets créés, donc plus d'emplois créés que d'emplois détruits. Et nous pouvons nous féliciter de ces bons chiffres, d'une belle dynamique bordelaise qui, avec une forte croissance, hein, puisqu'il y a encore 3 ans, c'était moins de 500 emplois nets créés, puis 3005, maintenant 7009. On voit qu'on a une très belle progression. On pense également que la LGV va être un accélérateur de cette création nette d'emplois. Vous le savez, 2 juillet 2017, nous placer à 2 heures de Paris, c'est un accélérateur d'une dynamique économique qui, je pense, est reconnue désormais à Bordeaux par l'ensemble des acteurs locaux, mais aussi au national, dans les classements qui placent toujours Bordeaux en tête des métropoles où les salariés ont envie de venir s'implanter.